On a fait un bon match à l'image du match aller. On n'a pas été ridicule contre Manchester, donc on garde la tête haute et on continue. On va de l'avant maintenant. Proud of the team, proud of the fans. I think everybody enjoyed tonight. So nothing to say. We didn't have nothing to lose before this game. We go out to enjoy. It's a special moment, unique moment for everybody. So I feel happy. I feel happy. Plus le temps passait, plus on se disait qu'il y avait quelque chose à faire, que c'était possible de se qualifier. On a toujours cru en nous, voilà, malheureusement, on n'a pas réussi. Donc on ne baisse pas les bras, on reste concentré maintenant sur les prochaines étapes et les prochains matchs qu'on a à jouer. Especially in extra time, we had our possibilities. We was hoping we gonna go to the penalties and then it's like lottery, so everything was possible, but yeah. They also had some chances, so maybe 2-1 was realistic results, but no regrets. We go proud home and we have to prepare for next match. Ça fait plaisir dans un grand stade comme ça, mais bon, j'aurais préféré me qualifier ce soir. We put Belgian football on other level because all other teams from Belgium play good. So yeah, I think we show that Anderlecht is still a great club with a lot of capacity, with good players, with a good way of thinking, mentality. So yeah, happy, positive, totally. C'était très positif hein, quand même. Voilà, on a été éliminé très tôt de la Ligue des Champions. Enfin, on n'a pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions, mais on a fait une très bonne campagne en Europa League. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui auraient pu nous stopper. Il a fallu tomber sur Manchester United, malheureusement. Mais même contre eux, on aurait pu se qualifier. Donc, on va garder beaucoup de positifs sur cette saison en Europa League. Big thanks to them, and I hope they're gonna continue or coming for the home games. Like today, that was amazing. In this, it was a full stadium, and I only heard our fans. So big thanks to them. C'est clair, on a été agréablement surpris de tout le monde qui est venu nous supporter. Parfois, ils faisaient même beaucoup plus de bruit que les supporters adverses, donc on se sentait vraiment comme à la maison. Ça nous donnait des ailes et des forces pour aller de l'avant. Et voilà, je pense qu'ils peuvent être fiers de nous. Je pense qu'on ne les a pas déçus. Malheureusement, on aurait aimé leur offrir la qualification, mais on va espérer leur offrir d'autres choses.